Y'a quelqu'un? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Oh, oh, vous êtes où? Oh. Alors, l'histoire du tome 8, c'est Doji et sa bande, ils ont été enlevés par des soldats. Ils débarquent dans la ville de Néo-Salem. Et pour intégrer une des familles du côté du bien, ils vont devoir passer toute une série d'épreuves dans les arènes, d'où le titre de l'album. Alors, je pense que dès le départ, on s'est dit on voudrait faire une série plutôt du public, pas que pour les enfants. C'est vrai qu'on voulait, Fabien et moi, s'adresser d'abord aux enfants, mais se dire on aimerait retrouver le souffle, de l'aventure, des histoires qu'il y avait dans le journal Spirou au moment où nous, on était petits. Pour l'inspiration de Sol, il y a la littérature, donc Sa Majesté des Mouches. Je suis une légende aussi. Moi, le film m'a marqué quand j'étais petit, ça me faisait vraiment flipper. Mais je regardais, c'est le fait que ça me fasse peur, que je trouvais le film intéressant. C'est ça aussi qu'on veut arriver à faire dans Seul, c'est d'arriver à faire peur aux enfants, parce que la peur, je trouve, est constructive dans l'éducation d'un enfant. C'est vrai qu'on parle de violence et tout dans Seul, mais je pense que les adultes peuvent le comprendre, et les enfants aussi, parce qu'on ne le montre pas de manière frontale non plus. On laisse beaucoup d'espace entre les cases, qui fait que, justement, je pense que cette violence-là peut passer. Pour certains épisodes, j'arrive à dire, tiens, là, on est en train de faire notre délivrance à nous, quand ils dévalent les torrents avec le canoë, notre 2001 de l'espace avec le gros monolithe noir qui est en fait l'immeuble noir. Mais on a pas mal d'inspiration cinématographique, en fait. Moi, j'ai toujours été baigné dans la bande dessinée par mon père, donc j'en ai toujours lu. Et donc, j'ai toujours dessiné. C'était pour moi la manière de me faire remarquer par les autres, parce que j'étais assez timide. Et puis je suis passé par Saint-Luc à l'âge de 16 ans. Ce que je voulais, c'était de publier chez Spirou, puisque c'était vraiment le magazine que je lisais quand j'étais jeune. À 18 ans, je me suis présenté au journal de Spirou, j'ai montré mes dessins, et c'est là que ils m'ont pris et j'ai eu mes premiers boulots. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Tom et Jean-Ry, qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier. J'ai été l'assistant de Jean-Ry sur le petit Spirou. J'ai travaillé un peu sur le grand Spirou et en 89, j'ai repris Soda à la place de Luc Warnant, scénarisé par Tom. Je l'ai découvert dans Spirou et je trouvais que c'était génial. Parce que c'était. Je voyais en BD ce que je voyais au cinéma et à la télé. Donc je me disais, waouh, ouais, enfin une BD qui a les codes cinématographiques et qui parle à tous les publics. Alors la rencontre avec Fabien Velman s'est faite en 2000. J'ai essayé de faire une histoire de SF avec Ralph Meyer et on s'est rendu compte tous les deux que faire du scénar, ça demandait quand même pas mal de temps. Donc si on voulait dessiner, il fallait absolument qu'on trouve un scénariste. Et par chance, au même moment, la première histoire de Green Manor est parue dans le Spirou. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, il faut que je contacte ce scénariste que je ne connais pas. On s'est vu à Paris. On s'est bien entendu et depuis, on travaille ensemble, quoi. Et en 2003, je pense, Fabien m'a contacté pour me proposer une série, la série de Seul avec le pitch. Je me souviens que j'ai reçu un fax, parce qu'il y avait le fax encore à l'époque. Oui, c'est une espèce de la feuille qui sort de l'appareil. J'ai lu ce truc, je me suis dit, c'est génial, il faut absolument que je le dessine. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Dans le scénario, moi, j'interviens pas beaucoup parce que Fabien a une idée assez précise de ce qu'il veut raconter. Il a déjà fait, lui, le plan pour jusqu'au 20e album, jusqu'à la fin définitive de la série. Ce que je peux apporter, ce sont des petites idées de scène, des idées, tiens, j'ai envie de dessiner un tank.
Est-ce que tu pourrais pas mettre ça dans le scénar? Et il se dit, ah ouais, le tank, super. Donc voilà, j'amène des petites idées comme ça. À lui de dire après si ça lui convient ou pas, s'il peut le mettre ou pas. Mon rythme pour le travail de seul, c'est toujours les débuts méga laborieux. L'angoisse de la page blanche, je me dis, est-ce que je vais faire aussi bien que l'épisode précédent? C'est toujours inquiétant pour moi. Et puis, y a quand même les délais à respecter. Et à la fin, je dois faire 3 pages par semaine au lieu d'une. Donc, oui, le rythme de travail peut évoluer de 3-4 heures par jour au début à 12 heures par jour à la fin pour tenir les délais, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour les décors de sol, j'ai d'abord fait beaucoup de photos moi-même de différents lieux, par exemple Paris, Budapest, Liège, là où j'habite, Montréal. J'ai un peu tout mélangé. Le but de Fabien, c'était de faire une ville quand même assez occidentale de l'Ouest. Donc chaque lecteur, que ce soit en Belgique, à Montréal, en Suisse ou en France, puisse se dire « tiens, ça se passe pas très loin de chez moi ». Et pour le dernier épisode, j'ai fait un voyage dans le sud de la France parce que ça parlait d'arènes. Donc là, j'ai été voir pas mal de villes antiques. Pour l'arène principale, je suis parti de l'arène de Pompéi et je l'ai retravaillé en 3D. Ça m'a pris un mois pour la faire. Donc, je suis parti de ce travail 3D pour la dessiner. Le moment le plus magique dans la création d'un album, je dirais que c'est la mise en scène. C'est au moment où je lis ma page de scénario et où je jette les premiers croquis sur une feuille blanche. Là où je vois que ça commence à prendre vie. C'est un peu les premiers pétales ou les premières feuilles qui sortent de terre. Pour moi, c'est le plus intéressant, c'est de voir de la mise en mots, de voir la mise en dessin. Après tout le travail des crayonnés, de l'ancrage et tout, le travail sur les décors, sur les personnages, il faut être précis. Tout ça est beaucoup plus laborieux, donc ce qui me plaît vraiment, c'est le premier jet qui sort de ma main en lisant le scénario, quoi. Le plus difficile à dessiner, ouais, pour moi, ce sont les animaux. Fabien m'en fait dessiner pas mal. Et là, je dois dessiner des chevaux, des requins, des tigres, un peu tout. Dessiner une voiture, pas de problème, mais dessiner des animaux, là, j'ai vraiment du mal, parce qu'il faut que je recommence tout à zéro pour essayer de comprendre comment un chien, un chat est construit. Je dirais que pour moi, le plus dur, ce sont les chevaux. Ce qui est intéressant dans la BD, c'est que oui, effectivement, on peut tout dessiner. On est notre propre réalisateur et il n'y a pas de limite de budget de ce qu'on voit à l'image. Par contre, c'est vrai qu'on est limité parce qu'on sait faire. Moi, je ne sais pas bien dessiner les chevaux, donc je vais suer sang et larmes pour arriver à les dessiner. Mais c'est clair que si je veux mettre 1000 chevaux dans la même case, je peux le faire. Fabien a rencontré une psychologue qui lui a raconté qu'une de ses patientes, une jeune fille, était venue avec un des albums pour parler de sujets concernant la série et qui avait une résonance dans son histoire à elle. Et on s'est dit, ça c'est génial, parce qu'il n'y a pas de plus beau compliment qu'on puisse faire à un auteur, c'est de se dire, tiens, mon livre a servi à quelqu'un à peut-être évoluer, à travailler sur lui-même pour arriver à progresser. Donc ça c'est franchement valorisant. Un grand souvenir de BD, moi, c'est quand j'avais 7 ans. J'ai été opéré et j'ai été me faire enlever les fils à l'hôpital. Et mon père, après, m'a dit « t'es courageux, tu vas pouvoir choisir une BD ». Et le livre que j'ai choisi, c'était « La ribambelle en Écosse ». Donc la boucle est bouclée. C'est pour ça que je fais seul aussi maintenant. C'est un grand souvenir d'enfance. Et maintenant, mes parents sont fiers de moi parce que je fais des bouquins qui parle d'une ribambelle d'enfants aussi, la série s'appelle Seul, et voilà, je pense que la boucle est bouclée maintenant. Il y a quelqu'un ? Bon, si vous êtes toujours là, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Kaboom. Moi, de toute façon, je suis tout seul et puis j'en ai plus pour très longtemps. Bon, bonne soirée. Oh, y a quelqu'un ?